Salut à tous les amis, William Bruno est avec vous et voici ma nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire des blagues à mon meilleur ami Harry Schneff pendant 24 heures. Pour lui, j'ai sélectionné les farces les plus top, les plus juteuses et les plus populaires de TikTok. Je me suis préparé pour cette journée depuis une foutue semaine, mais je pense que tout va marcher aujourd'hui. Les farces seront partout. À liker et nous commençons. Bah Mais t'es déjà vu là-haut? Ah mon dieu. Encore des farces. Eh, bonne astuce. Et si je vais pisser, tu prendras aussi des photos? Bon, d'accord. Bon. Pas tous les œufs sont gâchés, on peut en prendre au moins un et l'ajouter aux œufs brouillés. Je me demande où sont passés tous les œufs. Eh ben, je savais bien que j'en ai acheté trois. Avez-vous déjà été réveillé comme ça? Bonjour! Arrête, ça c'est merde! C'est 24 heures de meilleure farce de tic-tac. Qu'en penses-tu? Mec, mais toute ma cuisine est couverte d'œufs. Donne-moi ça. J'aime ça. D'accord, je vais m'occuper de mes affaires pendant que tu prends ton petit-déj. Bonne journée, allez. Alors, une semaine de farce? 24 heures de farce. 24 heures? Ouais. Mais sur ma chaîne, je vais aussi te faire des blagues d'une manière ou d'une autre. Pour que tout soit juste, d'accord? D'accord, mais regarde, si tu peux résister à toutes les farces, en fin de journée, tu recevras 1000$. Allez, des euros, pas ces emballages de bonbons. Ben, 1000€ alors. 1000, ouais, pas ces dollars là. J'ai compris, ça y est, allez. Ouais, beaucoup d'œufs, un événement inhabituel. D'accord, maintenant je pars définitivement. Avant d'aller travailler, Artyom met toujours son parfum et pour cette occasion, j'ai préparé la farce suivante. Alors, prenons ce petit bleu. Attendez, je l'ouvre avec précaution. Hop. Oh, zut, je me suis taché. Je ne sais pas comment ça marche, mais je suis con, je fais toujours des conneries. Remettons chaque chose à sa place. Tout est prêt. Maintenant, nous attendons le bon moment. Laisse-moi passer, hein. T'es en retard pour quelque chose ou quoi? Ouais, je suis en retard. Merde, ça suffit, allez, arrête déjà de filmer, hein. Il m'a fallu 2 heures pour nettoyer tes œufs là. En tout cas, aujourd'hui sera le jour le plus intéressant de ta vie. D'accord, vas-y, je m'en vais. Arrête, attends, t'es sûr que tout est normal? Bah, j'ai des vêtements de rechange là-bas. Regarde tes vêtements. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait, hein? T'as l'air bien. C'était juste de la teinture. Quelle teinture? Bah, alimentaire. Prends juste une douche et tout ira bien. Merde, ça part pas. Oui, ça va, ça sert à partir. Peut-être le mettre au lavage pour le moment. C'est toi qu'il faut jeter au lavage. Moi, au lavage? Ouais. Et encore un peu vexé, mais je pense que c'était cool. Mais dis-moi, tu ne t'attendais pas à ce que ces blagues soient dans les endroits les plus inattendus? Parfum préféré, hein. T'en achèteras un nouveau, hein. Eh ben, d'accord. T'étais en retard. Tiens, prends. Moi, je suis pressé, moi aussi. Allez, on continue les farces. Il est 4 heures du mat, et pour la prochaine farce, j'aurai besoin des lunettes d'Artyom. Habituellement, il les met près de lui quand il s'endort. Mais là, malheureusement, il s'est endormi avec elle. L'essentiel est de ne pas le réveiller. Ouais, allez, allons à la cuisine. On prend cette assiette d'eau tiède, voilà, et on y ajoute la gelée d'orange. La gelée d'orange est la gelée préférée d'Artyom. J'ai donc spécialement sélectionné ce qu'il aime pour lui. Maintenant, on remue soigneusement. J'ai remué la gelée, maintenant le point culminant. On trempe ses lunettes et on les met dans le frigo pendant 4 heures. Et quand il essaiera de retrouver ses lunettes demain matin, il sera un peu surpris en voyant qu'elles sont dans son frigo. Eh bien, un peu engelées. Qu'est-ce que tu fais, Artyom? Je fais ma valise pour aller chez ma mère, là. Ce soir, je pars à l'aéroport pour lui rendre visite en Italie. Maintenant, je dois courir rapidement au travail. Mais mec, est-ce que t'es vraiment prêt pour la farce d'aujourd'hui? Je suis prêt, je suis prêt. Tu vas travailler, maintenant? Ouais, je trouve pas mes lunettes. C'est bizarre, là. Attends ici une minute, je vais les chercher. Chez où ils sont? Miam. Attends, j'arrive, une seconde. 5 minutes, hein, je suis en retard.
Tiens, cette délicieuse gourmandise. Merci. C'est à l'orage, voilà. Comme tu aimes. Tu peux les porter, en fait, vraiment. Tu sais quoi, bien sûr, j'adore la gelée, mais pour être honnête, je n'étais pas prêt pour ça. J'ai vu une telle blague dans certaines séries, là. C'était sur TikTok. Ah bah, tu peux l'emmener avec toi au travail. Comme ça, t'auras ton petit déj. Bah écoute, la gelée est bonne. Et tu l'as préparé, toi? Ouais, ouais. Avec de la gélatine? Non, de la gelée. Tiens, goûte-la. Mais merde. Non, elle est vraiment délicieuse. J'ai encore foutu le bordel, hein. Allez, tu ne veux pas les goûter, mec? La gelée est coincée dans les plis. Maintenant, essuyons les lunettes. Bah, tu comprends que c'est que le début. Ouais, je comprends. J'aimerais d'abord essuyer mes lunettes. Ça serait un début, là. La prochaine farce que j'ai préparée pour Artyom sera avec des pneus. Ce qui est drôle, c'est que nous n'avons généralement jamais de pneus en studio. Aujourd'hui, sorti de nulle part, ils apparaîtront et j'espère qu'Artyom se demandera d'où ils viennent. Et j'aimerais bien répéter cette farce. Ça va ressembler à ça. On a tort, tiens. Bien sûr, j'ai réussi à rentrer ici, mais il n'y a pas beaucoup de place. Je suis assis depuis une vingtaine de minutes et je suis un peu fatigué. Mais ça va, pour une bonne farce, je peux attendre. Il n'y a personne du tout dans le studio, juste moi et le caméraman. Il faut sortir. Dans la dernière vidéo, il y a eu une démolition générale. Tout était détruit, la femme de ménage a fait le ménage, mais regarde. Un tas de soupe instantanée, qui va tout nettoyer? Bien sûr, moi. Enlève les pneus. Cool, il n'était même pas dans la vidéo. Merde. C'est une farce de TikTok. J'ai vu sur TikTok, c'était cool dans des pneus. En fait, l'original était avec un gâteau, alors j'ai décidé d'être créative. Qu'en penses-tu? Mais écoute, je vais bientôt devenir fou avec les farces là. C'était cool. Regarde combien il y a de confettis. Quand j'achète des pétards, j'en achète des plus petits, moi. Où c'est que t'as trouvé ça, imbécile? Chez Macha et l'ours. Eh ben, je pense pas qu'il se soit vexé, il est juste parti. Peut-être qu'il est occupé. Bon, il a ses affaires. Je vais continuer à préparer des farces pour Artyom. Artyom vient de partir déjeuner et j'ai environ 15 minutes. C'est son poste de travail préféré. Enfin, préféré, c'est son seul poste de travail où il filme les vidéos. Il a même un tableau. Et pour cette occasion, j'ai une farce spéciale. C'est sa tasse préférée, et si je comprends bien, c'est sa tasse préférée aussi. Et il ne lave jamais les tasses, il en prend toujours de nouvelles et ne les lave pas. Et c'est le moment de me venger. Je pense qu'il sera très surpris si je mets un palmier ici maintenant. Nous devons d'abord couper le fond de ce verre. S'il vous plaît, ne répétez jamais ces farces, car même moi, je suis pas sûr d'y arriver. Porte jaune, voilà. Voici la terre et le palmier que j'ai emprunté à ma grand-mère. Tout d'abord, déversons la terre. Donc pour l'instant, il y a suffisamment de terre. Nous transplantons cette plante ici. Je n'ai volontairement pas coupé le bas ici, car je dois encore rendre cette plante à ma grand-mère. Bon, on dirait que ça tient. Nous remplissons la terre pour que notre palmier soit plus fort. Dernier tas. D'accord, ça y est, Igor est fort et confiant. Maintenant, je vais juste nettoyer un peu ici. Ça y est, maintenant tout est comme avant. Mais je vais juste installer des caméras cachées. Attends, quartier m'arrive. Je vais en mettre une ici. Et je mettrai la deuxième ici, sur un trépied. Il est toujours là, donc ça ne doit surtout pas éveiller les soupçons. Tout est prêt, les caméras sont disposées. Le palmier est sur la table. Je pense qu'il sera au moins un peu surpris de ce qui se passe. Il n'y a pas de palmier ici d'habitude. Dis-le-moi honnêtement, eh bien tu n'en as pas marre de te promener avec cette caméra là, sérieux. Dis-le là. Et j'ai encore une blessure ici à cause de la farce d'aujourd'hui là. Une plante? Très drôle, putain. Nous n'avons jamais eu de plante en studio. Pourquoi il l'a mis ici, d'ailleurs? Il n'y a même pas de putain de fenêtre ici. Elle va dépérir. Allez. Je n'en peux plus, moi. Pendant qu'Artyom s'occupe de cette plante sur son bureau, je vais lui préparer la prochaine farce parce qu'il viendra probablement ici pour me poser quelques questions sur le palmier. Je l'attendrai ici avec la prochaine farce. Oh,
maintenant, nous allons faire un chemin glissant. Alors, j'ai pris le gel douche le plus cher et préparons une surprise pour Artyom. Regardez comment ça glisse, c'est génial. On n'en aura plus besoin. Attendez, mon sang, c'est très glissant. Alors, je préviens les gens que c'est glissant ici avec ses cônes. Ce con derrière Steph ne devinera certainement pas. Et quand Artyom courra vers moi, je rencontrerai avec cet énorme ballon. J'espère que tout va marcher et qu'Artyom viendra ici pour se venger. Ou je l'attendrai avec une nouvelle face. Je suis un peu inquiet parce que bon, peut-être que ça ne marchera pas. C'est cool, bien sûr, mais j'en ai marre de ces phares sérieux. En 2 minutes, la plante et moi sommes tombés et Bruno a continué à s'enfuir. Quand je lui ai fait une blague, je ne me suis pas enfui. Je lui expliquais aussitôt, alors qu'à chaque fois, il s'enfuit. Bon, ça va, ok, arrête. Merci à Garasiev de m'avoir prêté ce drone. Sans lui, cette farce n'aurait tout simplement pas fonctionné. Quand Artyom rentrera chez lui le soir après le travail, il sera accueilli par ce drone sur lequel sera accrochée cette chemise qui créera une sensation de fantôme. Je pense qu'il va avoir peur. Je suis très fatigué. Je veux rentrer à la maison le plus tôt possible et prendre soin des miens. Bon sang. Mais c'est quoi ça? La prochaine farce que je veux essayer sur Artyom est l'une des plus grosses farces que j'ai jamais faites, les gars. Elle ressemble à ça. Et les gars, bien sûr, pour cette farce, j'ai besoin de beaucoup de papier d'aluminium. Artyom est au travail maintenant et il sera encore 3 ou 4 heures. Et j'ai assez de temps pour emballer toute sa chambre dans du papier aluminium. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais je pense que ça va marcher et être assez impressionnant. Commençons par son lit. On dirait que le lit est prêt. La prochaine chose que je vais emballer, c'est probablement sa chaise de jeu. Je sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup ce look. Mais je trouve pas que ça soit très confortable pour dormir. Bientôt, toute la pièce ressemblera à ça. Voilà, j'ai déjà fini la chaise aussi. Ça a l'air génial. Maintenant, je me sens encore plus en confiance. J'ai déjà réussi à envelopper son tableau. Pour l'instant, ça ressemble à ça. On commence à emballer son ordi. Aujourd'hui, tout sera en aluminium. J'espère que mes efforts ne sont pas vains et qu'il appréciera ma surprise. J'ai presque fini. Mais maintenant, je vais emballer la chose la plus précieuse qu'Artyom possède, son bouton YouTube. Et presque tout est déjà emballé. Eh bien, j'ai fini. J'ai travaillé probablement 4 heures là-dessus. J'ai tout emballé, chaque détail. La souris en aluminium, le clavier en aluminium, tout. L'ordinateur entier, la chaise, l'appareil photo sur le trépied, la PS, les manettes, la télévision, le lit, tout bon sang est recouvert de papier d'aluminium. J'espère qu'il deviendra fou. Mais il reste un petit détail. Ce soir, il part à la campagne chez sa mère et il prendra cette valise en conséquence. C'est pour cette occasion que j'ai choisi la prochaine vague. Qu'il emporte avec lui, des vêtements, un thermos, bon, tout est ordinaire. Maintenant, toutes ces choses doivent être cachées quelque part. Je pense que la meilleure option est sous le lit. Ma tâche est de rentrer dans cette valise et je prendrai ma caméra avec moi. Je ferai une vidéo directement depuis ma valise. Allez, ferme-moi, ça pique. Mais fais attention. La tête, attends. Hop, ça y est, c'est bon, je zip. Allez. Ouais, maintenant, on termine. William Bruno, est-ce que tout va bien là-dedans? Super. Eh bien, c'est tout en fait, voyons maintenant sa réaction. Les gars, il fait très chaud et c'est pas du tout confortable ici. Nous attendons Artyom, j'espère qu'il ne sera pas en retard. Te revoilà, toi. Monsieur Artyom est arrivé. Merde, j'ai failli devenir fou à cause de ce drone. Vous êtes pas bien dans vos têtes, hein, non? Vous comprenez que j'aurais pu avoir une crise cardiaque. Une crise cardiaque, quoi. Pourquoi le bouton porte-il travers? Et je suis en retard pour voir ma mère, bon sang! Je voulais emporter mon ordi avec moi, et comment je puis le porter maintenant, hein? Tout est en papier d'alu, là, le clavier, même le fil! Les moniteurs!
Mais maintenant, ma poubelle a la forme d'une canette, quoi. Et ça, c'est vraiment d'alu. Et ah merde, mon pauvre tableau. Et le placard, même Spider-Man était terminé, quoi. Seul sa cape dépasse. Comment vais-je voyager avec ce sac? Maintenant, il va définitivement prendre la valise. Mais bon sang, il faut que...